Merci à vous tous qui nous suivez de partout, chers Congolais. Bienvenue dans votre émission Actu Plus. Actu Plus, nous sommes toujours là. Vous le savez bien, on change de cadre, mais on est toujours là. On est toujours là. Alors, désormais, vous aurez beaucoup d'émissions avec plusieurs intervenants, bien sûr, sur votre chaîne, et ça va bouger puisqu'il y aura des thématiques qui vont vous faire énormément du bien. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans votre émission. Bon début de semaine. Aujourd'hui, je vais vous parler des choses un peu très importantes. Très, très importantes. Voilà. La RDC, dans le Bélakil, comme la fois passée, il y a exonération, Batit, il y a exonération. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu de détails sur ma Kambo exonération. On nous parle de l'affaire, il y a 83 titres d'exonération. Oyo, Madame Olive Lembe. Siré Nango, mais dans la poste, on a mozindo Nango le loté. Lobby n'a pas mozindo Nango pour n'a pas sa bino formation sur ça et belé. L'état n'a pas bamakambo belé le lot. Kalev Shadari Mouilanya Makambo Zako Beba na minute na FCC. FCC Makambo Baby FCC Bazo Panzana Lokola Wenze. Non Bazo Panzana Nde ma B. Soukayamaso et Kokisami. Enfin, la fin du FCC est là. Ah oui, enfin, la fin du FCC est là. Joseph Kabila s'est rendu compte aujourd'hui que Belé va rouler. Et Belé va, je vous dis, Belé va rouler. Je commence d'abord avec Kalev Mutonde. Kalev Mutonde, fille ancienne, âgée à 1 heure. Ce monsieur était au service de l'individu et non au service de l'État congolais. Ce monsieur a torturé le paisible citoyen. Monsieur Kalev, que vous écoutez, il a torturé les gens dans ce pays comme de bêtes. Comme de bêtes. Comme de bêtes. Alors, il suffisait qu'il ose la contre Joseph Kabila na tango. Na 8h, 8h15, les agents de la NER, Bazanayo, ils pouvaient violer ma domicile et ma tundenge, ma lingaki. Ils pouvaient arrêter et fermer ma média, ndenge ma lingaki. Ils nous ont fait ça, ici. Peut-être vous êtes en Europe, aux États-Unis, Canada et consorts. Bozoyo kamakamoussous na sango. Mais biso ba eto zalaki awa bandeko. To moni makambo. Pe to koutani na makambo. Bozo tambola na telefone. Oyo ya yo. Ba to ba télémission na nzela. Ba yebisi yo présentez-vous. O la kisi carte. C'est bon. Ba yebisi la kisa telefone. Il faut opé sa telefone. Po batala. Nini outche na telefone. Ceux qui ba kouti message. O yzali contre Kabila. On t'arrête. Ceux qui ba kouti image, oh, ils allaient contre Kabila, on t'arrête. On a vécu un traumatisme, on a été traumatisé comme des chiens dans ces pays. Tout ça avec la bénédiction de qui? Kalev Mouton. Je vous dis, dans le coin sur à Kinshasa, les agents de la NER, bureau des MIAP, Batnyokolibat. J'ai été plusieurs fois arrêté. Journaliste du changement Stéphane Balamwangi, plusieurs fois arrêté. Mais, Nzambe a batté la biso kaka, tokoufate. Mais le coup la tokoufate, c'est supposé qu'il a pèsé biso mission. Et a pèsé qui biso tant pour tout le la pembo kanabiso. Ce pays aujourd'hui doit changer. On doit faire la justice. Une justice équitable. Arrêtez batou oyonso, banyoko le peuple oyo. Kalev Mouton, a nyokoli. Bah, tous ceux qui ont un bureau à ANR, bah, tu as un bureau à ANR. Pas de visite, pas de procès, tu es là, on t'arrête. Tu peux faire là-bas 2 ans, 3 ans, et personne ne vient te rendre visite. Et il suffit tout simplement vouloir y a Kalev et Salem, et on te libère. Chers Congolais, après, pour poste, il avait écrit une lettre très longue, un communiqué, disant qu'il restait loyal à qui? À Joseph Kabila.
Il a rendu Joseph Kabila des services loyaux. Et il dit, les gens que Joseph Kabila a commis ça, tout le monde va commencer à les mélanger. Ah, un agent de l'État. Puisque ANR, ils ont des services rattachés à la présidence. Un service de l'État. Un service qui doit aider le pays à aller de l'avant. Mais cet individu, lui, était là pour l'individu. Et la preuve du contraire, aujourd'hui, il reste toujours là collé, serré à l'individu. Et il y a peu, il a participé à la marche au Yisalemaki. Il y a FCC, il était là et il dénonçait la dictature. Kindo quittait par hasard. Kalev Mutonde a donné la marche pour dénoncer la dictature. Moutou oya nyokoli batu. Moutou a torturé batu. Nesika Kalev aloba merci Seigneur. Aloba merci Félix. Kalev ne fait pas ça. Il se paie le luxe de marcher dénoncer la dictature. Nde mbo kanabiso. Makambozo pesabiso. Pas sinamitou. Pas sinamitema. Tosemi lobe la me batu. Oyo est-ce que ba comprendre que bazali batu. Oyo ba nyokoli mboka oyo. Bandeko. Ce n'est pas tout. Kalev avait 30 policiers. Oui, il y a un temps bango. Et pas naïve, policier baza. Nandela, il a des cortèges, policier baza. Il était donc plus qu'un ministre. Il était tout. Il était tout. Et donc un politicien avéré. Mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce que ces derniers soient fragilisés. Place dans la Félix en lobby Moutoyo, c'est un savant politique. Oui, c'est un savant politique. Pourquoi? Parce que, à qui n'a pas le lingue batobando kanisate, qui est bakanga kalev, batorturé, non, il n'a pas voulu que de façon on a pris que Zokoma, acharnement, façon on a Zokomanine, et Zokoma arrestation arbitraire, et Zokoma dictature. À lobby justice, c'est ça la moussala lango. L'État congolais, Moussala est salé, mais normal. Kalev, a toi, li kolo, baboye. Ba botolie, ba policier, nyonso, ou basaki nanda kwe panaye. Là, c'est le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, Gilbert Kankonde, le bourreau. Aujourd'hui, il y a 4 akostili sabangongala, raison pour laquelle les bazotes nous par tous les moyens, ba bete, motion de défiance. Na rentrée parlementaire il y a septembre pour Alongo. Mais le remaniement, c'est Rosala, voilà déjà. Remaniement est Rosala. Et dans le remaniement, on a tabac, le balubi à Longo, on a Rosong à Kakawan. Aux huiles, on a place honnête, c'est Sylvain Mouton. Sylvain Mouton, l'enfant terrible. Donc, Anya Telanga Batouana. Ah, et aussi, ma, président Yokabiso. Betrebiso Sylvain Mouton, au place Wana. Après ça va en maïel, après ça va en matière, puisque c'est des trous. Alors, bah le but, Tika la Pamba, tu n'as plus les droits à cause de la police. Bah, zui, bah, police, nyonso, allez, les bandas, tu n'as plus les droits à cause de la bango. Tu n'as plus les droits à cause de la bango. Allez, les bandas. Et on ne s'est pas limité là. Il ne s'est pas encore le luxe de demander d'introduire maintenant la lettre. Il demande officiellement Mbappé, ça est 12 à 13 policiers. Mbappé, c'est 12 à 13 policiers pour abattre la banque. Tellement Azo Bangale, Babi a sali. Babi Oya sali. Non. Ce qui a Kosenga, Babate la E. Mais Kosenga 13, 12, 13 policiers étaient. Non. Moto ceux qui azana posa ba police ba kengela ba kengela ba batela ceux qui a singi akosinga mi balemisatu poto ebike moko akoza la landa ko to mi baliba tikala landa ko moko zotambola na ina nzela et ça se fait comme ça. OK, ça se fait comme ça. Ils arrêté que ozo ceux qui bango ceux qui ndeni. Non, c'est pas ça. Alors c'est pas ça. Donc sur ce point là je sais que le vice premier ministre en charge de l'intérieur ne peut pas accorder une telle faveur à un monsieur bandit comme Kalev. Pour... Non. Azamoutou, oh, il faut attirer la civile pour la civile, parce qu'il vient d'être chassé. Au contraire, c'est l'autre information d'Azanango, où ils ont appelé, mais il y a une source proche, on devrait l'arrêter.
Mais Batika na se balobete, ne sera to kangaye, botikaye. Parce que to kangye yoko ma kieto zo sala chernema. Mais il est allé à l'encontre, Yamibeko. Puisque na se reçu ce renseignement. Et j'ai servi ce moko yama kasi yambok. Ba service yama kasi yambok. Pour un pays sans information, sans renseignement, aza pays nini. Non, au vendi kaka wana, au lali la wakaka, au yibite kelide wane zanini. Non. Le renseignement joue un très grand rôle dans un pays. C'est un service qui n'a pas besoin y'a baba on dit. C'est un service qui n'a pas besoin y'a bato. Oh bah on comprend, mais il faut pas salater. Et le service y'a bato bazo s'est rattaché à ben divinité. Et le service y'a bato bazo s'est rattaché à ben institution. Puisque c'est le service du fait qu'il est rattaché à institution président de la République, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien, puisqu'on doit informer le chef à la minute. À la minute. Un président, c'est quelqu'un qui est mieux informé. Mais vous avez quelqu'un qui est là, qui vous dit qu'il reste loyal, attaché à Mobutu. Ça dérange. Là, ça dérange. Raison pour laquelle aujourd'hui, et Sengeli, tu vas comprendre. Tu vas comprendre que le temps est là, enfin. Oyo, justice et Sengeli, c'est que ça, la Moussala, n'a pas comme il se doit. C'est quelqu'un qui a fait tellement du mal aux gens. Il y a quelqu'un qui a fait tellement du mal aux gens. Il y a quelqu'un qui a fait tellement du mal aux gens. Il y a quelqu'un qui a fait tellement du mal aux gens. Ah oui, il y a quelqu'un qui a fait du mal. La torture est en train de se faire. Il a fait subir aux gens des tortures. Il y a quelqu'un qui a fait tellement du mal aux gens. Il y a quelqu'un qui a fait tellement du mal aux gens. On a arrêté surtout un militant à l'IDPS. Surtout un militant a eu de peste. Oh, il y a victime, il y a Imperium. Il y a Etienne Tshisekedi en 2011. On avait arrêté beaucoup de jeunes à l'époque. J'ai failli être arrêté ce jour-là. Modèle na Kima Bango. Ah, Nzambe, Zamobani. Modèle na Kima Bango, jour où on a. J'ai failli être arrêté. C'était au niveau de Kinmazière. Ah, modèle na Leka Bango, non, donc on a évité quoi. Un journaliste, j'étais là en train de faire mon travail. Pourquoi n'a-t-il pas posé la question que vous avez posée pour nous? Pourquoi un journaliste est là? Il y a des gens qui ont des sapates. Il y a des gens qui ont des sapates. Sapates, parce qu'il y a corps, qui ont des sapates. Il y a des gens qui ont des sapates. Côté là, ah, les cabos, il y a des sapates. Il y a des sapates. Et il y a des jours où il y a torturé pendant une affaire de 7 à 8 mois. En air. Chaque soir, chaque tongo, chaque kati kati na butu, bazoya ko sambi sabino. Il faut bon dima que ba pesi bino mwendu ki pou na ko déstabiliser pour voir à Joseph Kabila. Et c'était ça. Ceux qui ont dit bien loko wana te, papa, modèle bazo beta au film. Modèle bazo nyata au film. Ah, olap. Olap. Bazo nyata au film au penza, olapi. Et la plupart, la Koufa, la jeune Bélé, ou la Kangaka, la Pierre de Makamouana, et Bélé, la Koufa, et Bélé, la Tika, la handicapé, nous sommes habillés, Béba, nous sommes collés, comme un tengou, la bête, la bête, si comme on est vimbié, 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 pendant les pas, Ibisanga, moi, toi, tu peux vivre avec des gens comparés. Ce monsieur, c'est un animal, un animal, le Kosakana, moi, toi, nous sommes en été. Je vous dis. Il a fait des choses. Raison pour laquelle il était mis sous sanction de la communauté internationale. Donc ce sont des gens qui ont torturé dans ce pays. Alors, aujourd'hui, il est temps. Il est temps avant de. Mais justice, c'est que il a fait tellement de mal à ce pays, à tel point qu'il faut justice et ça l'équitable. Azamouta Koukang, Koujiji. La vampinité n'y a sali. Ah oui. La vampinité, oh y a sali. C'est ça. Et vous allez juste, c'est mon prophète. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ou bien le deuxième dossier dans cette émission, c'est affaire Néhémie Moulani. Oui. Affaire Néhémie Moulani. Selon ma dernière information, oh y a kaka y a batoua FCC, oh y a bessingaï. Ah, beaucoup ils ont bien. Dans FCC, je vous ai toujours dit que les allées château construit
na ba carte château construit à base ya ba carte pe ba vendisi yango na zelo. Alors bisika ba vendisi yango eza bisika moko oyo eza tina te bisika moko oyo ko panzana facilement oyo ko kwea facilement. 1 eza makasi te, 2 eza na base te. Il montre aujourd'hui Stéphane Mokolo biso to kozala kaka wana président Félix Alobi venez nous irons Mokolo kaka yoko ma oh mame ndenge za boye il faut président a nommer kaka un formateur. Je vous dis FCC c'est retirer la vide Mokolo kaka Félix Alobi que je nomme l'informateur pour identifier la majorité yomoko kokamo nazoi bisa yomoko kokamo. Et c'est la bonne chose que le président Félix peut faire pour s'assurer à Bato, parce que ceux qui a continué à Kanabato, oyo, passe. Na FCC le que zakoune zaya que le peuple perdé à Michel Ibosso va partir nyonso. Le coup la peuple perdé à Michel Ibosso va partir nyonso. À Salah tout qui va partir nyonso. Et à l'anéanti yende mutu azo nyonso. Na le lengi azo nyonso. Ma partie est belle comme frustré et comme la passe na kanda puisque ma poste nyo sur ma longa peut perdre à joie à préféra à zalango nyo so yemoko. Ça c'est de un. De deux, c'est quoi le problème aux hommes masiko la fin du FCC? La belle formation aujourd'hui et ça que Joseph Kabila veut chasser Némi Moulanya déjà d'ici là azo bingane qui ponanine. Némi Moulanya aza sima ya makambo belé o ebebi si kombo ya bien sûr Némi Moulanya serait de rire ba kou ebelé ya mabé oyo ebebi si kombo ya Kabila oyo esale ki Kabila a échoué na ba front nyonso puisque na likambo ali bosso voyez négociation ya Katumbi Kabila na Katanga l'air to landeli ba source zo renseigné biso zo baké c'est Némi Moulanya qui serait derrière ça et il vient d'échouer encore son coup. Ça, c'est un. Deux, il serait encore derrière. Bah, communiquer au premier ministre à Salah Awa, soit disant que le président, il faut appeler ses explications et consorts. Et jusqu'à aujourd'hui, le président n'a jamais donné des explications au premier ministre. Et ce dernier n'a jamais démissionné. De peur que Kabila perde Nyonso. Némi. Trois, il était ici dans ma marche pour dire que depuis Kabila est parti du pouvoir, Mboka ezonga sima. Tumituna, Mboka ezonga sima na point nini. Némi n'a pas vu la coronavirus qui a dérangé les gens ici. Némi n'a pas vu ça. Le président Félix n'était pas un président monstre pour apexara kelasi. Le lobana kelasi babandeli kelasi. Ba finaliste babandeli kelasi le lo. Bon, allez, comment on a bandé là? Est-ce que je peux ici moutou? T'es. L'église des Ozonga d'ici le 16, le 15. Est-ce que je peux ici moutou? T'es. Est-ce que Zakin encore? T'es. Est-ce que bon, on a qui soulèvement la population à Kolobake? Le col à ma cambo salmé boye, mon konzaza, mon consumer ben non. Tout le monde sait qu'il y a une maladie, une pandémie qui décime les êtres humains. Alors on ne peut pas jamais se tromper pour n'en faire la bêtise. Vous avez compris. La vie sociale, est-ce que Congo est une vie sociale à Malonga? N'attendons pas que Bango Babana ait une stabilité à dollar. Vous savez comment Mbo Cannabis est une passe? Vous savez comment est une passe? N'attendons pas que Bango Babana ait une bazar à ministre, bazar à professeur, Bango Bato Amaye, le yé, mouton professeur, mouton Amaye. Vous avez vu combien de justice est une place? Vous avez vu combien d'entreprises sont détruites? Ils sont détruites? Ils sont fragilisées? Vous savez combien par rapport au Luzo Lobambi a pesaka na Kabila et tira jamais pour exécuter ou banda pour la kisa que chaque mois ou chaque année le pays perdait une affaire il y a 15 milliards de dollars américains. Mais Luzo n'a jamais été aussi clair à ce sujet-là. Il devrait nous dire aussi. Et si dis-moi Kabila n'a pas voulu entrer dans ce dossier-là, c'est parce qu'il savait. Puisque aujourd'hui on nous fait voir que dans l'entreprise, le clan Kabila a 95%. Il y a des exonérations. Il y a Makambo Nyonso. Donc, ce sont des gens qui se sont enrichis
gratuitement, aisément, calmement, et qu'ils ont tout pillé les pays, qui ont tout pillé le pays. Ils ont pillé le pays comme ils le veulent. Ils ont affaibli les Congolais comme ils le veulent. Ils se sont enrichis doucement, calmement. Et ils ont appauvri les peuples congolais calmement. Et aujourd'hui, ils sont là, les intouchables. L'un est sénateur à vie, avec une majorité fabriquée numérique, artificielle, et l'autre est gouverneur incompétent. Et voilà comment le pays. Et quand Némi disait ça, qu'aujourd'hui, Kiti, il faisait les gens quoi? Il n'y avait pas un verre de trop dans ce qu'il disait. Avant cette marche, il n'avait pas vraiment bu un verre de trop. Et tout ça, ce sont des choses que nous devons nous poser. Puisque ça inquiète. Ça inquiète. Alors, il est encore Némi toujours, au Kabila Zo reproché, n'a dit au bêta qui peut fragiliser Félix au niveau de la Cour constitutionnelle, ils ont échoué. Et surtout avec le départ de Benoît Luamba. Sa démission avait tellement fait mal à Kabila. Ouais. Cette décision avait fait tellement mal à Kabila. Némi a manqué quoi dire à Joseph. Et aujourd'hui, il y a des juges Nabango qui ont voulu s'entêter. Et aujourd'hui, Félix, tchébango à la porte. Alors, vous êtes déjà démissionnaire. Vous êtes démissionnaire. Je vais lire le communiqué. Démissionnaire ou la présidence. Voilà. Je vais lire le communiqué. Comment Némi a échoué encore? Puisque là, en face de lui, il y avait des gens. Hein? Il y avait des gens. C'est encore à quel niveau? C'est encore à quel niveau? Parce qu'en face de lui, il y avait des gens. Des gens qui réfléchissent mieux. Qui réfléchissent mieux et qui ont fait mieux encore. Non seulement ils réfléchissent mieux, mais ils ont encore mieux faire. Ils ont encore mieux faire. Voilà, le communiqué est là. Non, c'est pas celui-ci. Je le mets où? Voilà, je vais lire d'ici là. Je vais me rattraper. Ne vous en faites pas. Je vais me rattraper et je vais lire ça. Alors, Némi a échoué. Puisque ces gens-là aujourd'hui, basan a sanction. Ils sont déjà réputés démissionnaires. Le président ne reviendra plus jamais au soi-disant qu'on prêtait serment. Regardez, ils se soutiennent. Bango, ni la Cour constitutionnelle, ni la Cour de cassation, Libanda, échec total encore un ennemi. Kabila a constaté tout cela, il a dit non, c'est gare. Il a prouvé son amateurisme maintenant. Bango, tout la qui s'y limite na Bango. Se rendre compte qu'en face d'eux, il y a une force. Et c'est Fachi. Le président, lui-même d'abord, n'a pas appris la politique tout en étant au pouvoir, non. Il a commencé avec la politique chez lui, chez eux à la maison. Puisqu'il était sous l'encadrement d'un homme qu'on appelait Sphinx. Un grand leader. L'homme qui a combattu Mobutu. Qui a dit des choses sur Kabila Moussé. Attention avec ces gens. Kabila n'avait pas écouté. Et aujourd'hui, zéro. Le jeune est venu, il a dit, toi tu ne feras rien. Il est là, zéro. 18 ans, zéro. Et aujourd'hui, le même en chair en os, incarné dans le corps de son fils, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est la force. Et nous le soutenons. Moi, je le soutiens. Puisque je sais que Mbokalami Seko Bonga. Et ils ont la carte à Kobonga. Tokoma na kimia pe sala lengi. Toi na kimia bo, ils ont sala bisou lengi. Ils ont sala bisou lengi. Maman a dit qu'on kende kaka. Bisou sengo, c'est sengo. Et ça la bisou qui toko makasi. Bandeko. Merci. Na modèle bozou zala toujours na bisou. Et ça nous fait énormément du bien. Wana dossier. Yanemi. Kuna ici et bébé libango. Et bébé libango. Dossier souka. Selon les informations, il y a qui que Shadar est déjà sous plainte. Il y a une victime, il y a une atrocité, il y a un sapo.
Selon les dernières informations, Chadar y serait déjà en voie d'être arrêté. Chadar y en voie d'être arrêté. D'ici là, l'information est toujours une évolution à un dossier là. On va l'entendre. Une fois entendu, il sera arrêté. Oui, on va l'entendre. L'information est là, on va l'entendre maintenant là. Nous attendons. Ben, entendriez. Et vous allez voir, vous allez suivre, vous allez vous rendre compte que Makamboué Bebeli Bango. Le coup de Makamboué Bebeli Bango, c'est qui n'y a pas d'amitié. Puisque ce sont des gens qui ont détruit ces pays, n'a pas niveau nions. Pour avoir déjà détruit le pays comme ça, ça l'a dit. Il faut pas s'assumer. On va l'entendre. Les dossiers, c'est que quand il fut premier ministre, vice-premier ministre en charge de l'intérieur, il y a eu beaucoup d'atrocités, des bavures, des tueries dans la Kasaï centrale, précisément dans la commune Nganza. Les jeunes ont été tués. Il y a eu des mamans, des papas qui ont perdu les leurs. Batoba déplaçant Ndengi Nandengi. Et ça fait très mal. Bandeko. Tout ça, la bonne et l'élo. Aujourd'hui, il est temps que ce monsieur, Bassam Misabango, Nanyon Sobango Bassali, Nanyon Sobango Bassali, Bassam Misabango, et Mokanabiso et Zokimia. Et tant que Mokanabiso et Zokimia, et Seigneur, vous allez m'accasser dans ma botte à Nabiso. Merci à Gim Solokoum, merci à vous tous qui nous suivez de partout. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Et à très bientôt.